Remboursement billets Air Algérie. Les précisions de la compagnie. Le porte-parole de la compagnie aérienne nationale Air Algérie, Amin Andalousie, a apporté des précisions sur la revalidation des billets non utilisés. Le porte-parole d'Air Algérie a indiqué que la compagnie nationale avait entamé une opération de revalidation de 600 000 billets ayant été achetés mais non consommés à cause de la propagation du coronavirus. La modification des billets achetés avant la reprise effective des vols se fait gratuitement dans la même classe, durant toute leur validité et avant la date de voyage prévue. Les clients peuvent ainsi bénéficier des modifications sans frais dans la même cabine et pour toute destination dans le même pays, pour des voyages allant jusqu'au 31 mars 2021. Amine Andalousie a expliqué que les clients peuvent bénéficier d'un voucher c'est-à-dire d'un billet valable jusqu'au 31 décembre 2021 et qui donne lieu à un remboursable en cas de non-utilisation au-delà de cette date. On ne peut pas avancer de date pour la reprise du trafic aérien. Le porte-parole d'Air Algérie a souligné que la reprise du trafic aérien n'était pas une décision qui dépend d'Air Algérie mais qu'elle était une prérogative des autorités. On ne peut pas avancer de date pour la reprise du trafic aérien des voyageurs la décision d'ouvrir l'espace aérien est une prérogative du président de la république a-t-il dit amira bouraoui face au juges les avocats racontent le procès docteur amira bouraoui arrêtée mercredi dernier de manière spectaculaire la militante amira bouraoui a été présentée dimanche devant le tribunal de cheraga elle a été condamnée à une année de prison fermée et écrouée. Malgré l'épreuve, Amira Bouraoui, habituée aux attaques venant du pouvoir et ses alliés depuis qu'elle est dans l'arène politique, est restée digne. Awisha bhakti avocate, décrit une femme sereine et déterminée malgré la gravité du moment. Elle était égale à elle-même, résume Zoubida Assoul, une autre avocate qui s'est constituée. En compagnie d'une dizaine de ses confrères et consoeurs, pour défendre la militante. Les deux avocates parlent d'une femme combative qui n'a pas montré de signe de fléchissement. Elle s'est bien défendue comme à ses habitudes. Elle n'a rien nié, affirme Awisha Bhakti. Devant la présidente du tribunal qui la confond avec ses écrits sur les réseaux sociaux, des écrits souvent acerbes, la militante a reconnu les faits et lance à l'adresse de la cour, j'écris sur ma page. Les gens qui ne veulent pas lire mes écrits n'ont qu'à ne pas consulter mon compte. C'est de l'Amira Bouraoui. Elle a reconnu que, parfois, excédée par les dépassements et les violations des droits de l'homme par le pouvoir, elle a été excessive. Mais elle assure qu'elle n'a jamais eu l'intention de nuire à quiconque, atteste Zoubida Assoul. Au-delà de la forme, Amira Bouraoui a rejeté, en bloc, les accusations d'incitation à la rébellion ou encore la mise en danger d'autrui. Elle a répété devant l'assistance qu'elle n'a jamais appelé les citoyens à manifester en ces temps de confinement, assure Zubida Assoul. Je suis médecin, je sais très bien que sortir manifester est dangereux, a répondu la gynécologue à la juge qui lui reprochait d'avoir mis en danger la vie d'autrui en appelant à manifester durant ces jours de risque sanitaire. Les écrits n'existent pas, mais l'accusation est maintenue. Il en est de même pour l'accusation atteinte aux préceptes de l'islam qui ne sont pas étayés, indique Awisha Bhakti. Elle a répondu, avec force, qu'elle respecte toutes les religions et qu'elle ne s'est jamais attaquée à l'une d'elles, rappelle l'avocate. Si elle est restée digne tout au long de son procès, Amira Bouraoui a craqué alors qu'elle raconte les conditions de son arrestation. Elle a décrit les informations des voisins qui alertent la famille sur des policiers en civil qui encerclent la demeure familiale. L'émotion a été encore plus forte lorsqu'elle raconte cette scène où une vingtaine de gendarmes, en civil, entre chez elle et l'arrête, violemment, devant ses jeunes enfants et sa mère, malade. Elle en a pleuré, indique Awisha Bhakti. En dehors de cela, elle n'a montré aucun signe de faiblesse, ajoutera l'avocate qui témoigne que malgré la lourdeur de la sentence inattendue, la militante n'a pas été ébranlée. Au nom de tous les militants, je m'excuse et je demande pardon aux avocats. Nous vous avons épuisé, a-t-elle lancé avant que les policiers ne lui passent les menottes. Les deux avocats racontent un climat lourd, un abattement de la défense au prononcé du verdict. Le procureur nous a bernés. Il était très courtois avec Madame Bouraoui. mais à la fin de son réquisitoire, il a retenu contre elle six chefs d'inculpation. C'est contraire à la loi, rapporte Zoubida Hassoul, encore abasourdi par le verdict. Elle et ses collègues ont fait appel du jugement. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur j'aime et activez la cloche pour rester au courant de l'actualité. Merci.